Donc je déclare la séance ouverte sous ma présidence, Jean-Victor Thévenet, maire. Les nouveaux conseillers ayant été convoqués, je vais faire l'appel. Donc Fabrice Cheneau, présent. Fernand Dargaud, Marie-Christine Carlsen, présent. Guillaume Descaves, Cécile Burdin, Béranger Prat, Marie-Claude Trembouze, Bernard Breton, Chantal Portera, Alain Galichon, Christophe Pegon, Nathalie Joly, Nelly Ponté, Johan Trebzar, Elodie Béraud, en tant que médecin, je pense qu'elle va arriver, je pense. Karen Guillain, Thibaut Bruet, Jean-Paul Bournas, Nadège Labrosse. Je déclare donc les membres du conseil municipal cités ci-dessus installés dans leurs fonctions. Il faut nommer aussi une secrétaire de séance. Marie-Christine Carlsen donc, est désignée en qualité de secrétaire de séance. Donc avant de vous laisser, juste quelques mots. Je sais que l'ordre du jour est relativement chargé, donc c'est pour ça que je vais être court. Tout d'abord, j'adresse mes félicitations à toi, Fabrice, ainsi qu'à ton équipe élue brillamment avec près de 80% des voix exprimées. Alors pourquoi cette large victoire ? J'ai trouvé deux raisons. Tout d'abord, ton investissement personnel, connu et reconnu depuis deux mandats, dont le dernier en tant qu'adjoint à l'assainissement et à l'urbanisme. Assainissement, notamment, il y a eu la construction de la station d'épuration, l'urbanisme, il y a eu le PLU et tous les dossiers d'urbanisme, pas quotidiennement, mais très nombreux. Et ce sont deux postes clés dans l'administration d'une commune. En plus des compétences professionnelles au sein du conseil départemental dans la gestion des routes et qui seront très appréciées vu nos 50 km de chemin à Saint-Nizier. Le deuxième, c'est le soin mis à la préparation et à l'élaboration de ta liste qui ne s'est pas constituée sur un parking d'école ou entre voisins. Tu as voulu d'abord établir la liste d'adjoints. On l'a, c'est vrai, à plusieurs, on l'a concocté cette liste, et ensuite tu es parti à la recherche de personnes représentatives par l'âge, la situation professionnelle, le lieu d'habitation, faisant en sorte que tous les quartiers de la commune soient représentés. Alors c'est vrai qu'on a eu des mandats où le quartier des Égrivets était peu ou même pas représenté. Et c'est dommage, c'est un quartier qui est éloigné quand même du centre-bourg, qui est plus tourné vers Charlieu, mais c'est quand même un quartier partie prenante aussi de la commune. Et je suis content que dans ce mandat, il y ait quand même trois personnes du quartier des Égrivets. Des personnes aussi déjà engagées dans la vie associative, professionnelle, scolaire, culturelle, donc connues pour leur engagement. En effet, il ne suffit pas d'habiter une commune depuis 10, 20, 30 ans ou plus si on ne vous a jamais vu à une manifestation ou au devoir de mémoire. Alors, il ne faut pas dans ce cas-là s'étonner du manque de notoriété. Lors de ce vote, les Saint-Nizerois ont fait confiance à l'équipe sortante. Là aussi, pourquoi ? Tout simplement parce que l'équipe qui vient d'achever son mandat, comme d'ailleurs les équipes précédentes, a su être proche des habitants, essayant de répondre à leurs besoins, à leurs attentes. Alors certes, on ne peut pas toujours répondre favorablement, mais je crois que l'essentiel dans ce cas, c'est de pouvoir expliquer pourquoi telle demande ne peut avoir la suite espérée, pourquoi telle ou telle décision est prise.
Et là, je me suis aperçu souvent que lorsqu'on sait expliquer, les gens comprennent, même si forcément ils adhèrent pas, ils comprennent. Oui, il n'y a pas de fief à défendre, mais simplement une commune à faire vivre. Et n'oublions pas qu'il n'y a pas de ville municipale sans proximité. Pour ce bon fonctionnement, vous vous appuierez, le Conseil, sur nos 13 agents communaux, administratifs, voirie, périscolaires. Tous investis dans leur mission, tous, au moins 90%, hein, et qui sont le maillon indispensable pour un service municipal de qualité. Et parmi le personnel, une mention spéciale à Sophie, notre secrétaire, responsable des agents, et qui a su en 3 ans prendre toute la mesure des tâches diverses et variées d'une mairie, et nous rappeler, parfois à nous élus, nos obligations, nous informer de tel ou tel dispositif ou de telle ou telle réglementation en cours, tout en sachant rester à sa place. Merci Sophie, et bonne fête, parce que c'est la Sainte-Sophie aujourd'hui en plus. Hein, voilà, en conclusion, donc, bonne route à tous, en souhaitant que les 2 élus de en avant Saint-Nizier soient constructifs au sein du Conseil. La tâche ne sera pas toujours facile, vous ne serez pas toujours d'accord, mais c'est cela aussi la démocratie. Qu'il n'y ait pas entre vous d'attaque directe des personnes, car personne ne sera gagnant. Qu'il y ait toujours entre vous du respect. Toute division se ferait alors au détriment de la commune. Merci, Jean-Michel. À mon tour, je vais me permettre de prendre la parole pour t'adresser quelques mots. Avant que tu rejoignes les codes. Voilà Jean-Victor, ce soir, après un peu plus de 37 années d'engagement pour la commune, une page de ta vie se tourne et je ne pouvais te laisser partir sans ces quelques mots. Dans quelques instants, je m'apprête à être candidat à ta succession en demandant au conseil municipal de m'accorder sa confiance. J'en suis très fier, mais c'est aussi avec une certaine anxiété et une certaine pression d'être à la hauteur. Tu es venu frapper à ma porte pour intégrer ton équipe en 2008. Après un mandat en tant que conseiller municipal, tu m'as renouvelé ta confiance en 2014 en me confiant un poste d'adjoint. Ces 12 années à œuvrer à tes côtés ont été un vrai plaisir et m'ont permis de mettre mes compétences professionnelles au service de la commune. Mais travailler à tes côtés a été aussi très enrichissant, pas tant sur la technique ou l'administratif, mais sur le savoir-être au service de la population. Partager ces 2 mandats à tes côtés m'ont permis, il y a un peu plus d'un an maintenant, de prendre ma décision avec ta confiance et tes encouragements pour conduire la liste Bien Vivre à Saint-Nizier et construire un vrai programme. J'ai conscience aujourd'hui que la crise sanitaire que nous subissons aura des conséquences sur notre mandat. Il nous faudra nous adapter pour surmonter les difficultés. Au-delà des dossiers importants que nous avons gérés et partagés ensemble, les élus, la station, la boulangerie, l'aménagement du bourg, je retiendrai surtout de toi 4 grandes qualités que j'espère mettre à profit. Tout d'abord, l'humilité. Jamais tu n'as voulu tirer la couverture à toi ou te mettre en avant. Tu as toujours su saluer le travail de tes équipes ou de ton personnel dans les différentes réalisations. La sérénité. Chaque décision prise l'a été de façon réfléchie, sans céder à la facilité, à l'urgence ou à la panique. Tu as toujours pesé les tenants et les aboutissants. La confiance. Tu as toujours accordé une grande confiance à tes équipes, notamment tes adjoints, y compris sur des dossiers parfois importants et à forts enjeux. Et enfin, l'intérêt général. Même s'il est toujours plus facile de répondre de façon affirmative à la moindre demande, ton sens de l'intérêt général a toujours prévalu dans tes prises de décision. J'espère que je saurai œuvrer dans la même dynamique en gardant en tête ces 4 qualités, même si je ne suis pas sûr de pouvoir laisser le dossier sur la table de nuit comme toi seul sais le faire. Comme tu l'as dit lors de tes vœux à la population, pars avec le sentiment du devoir accompli. Alors ce soir, je me permets à titre personnel, au nom du conseil municipal, mais aussi, je pense, d'une grande majorité de la population, de te dire, Jean-Victor, que ce n'est pas un sentiment, le devoir tu l'as accompli et tu peux en être fier. Cela fait maintenant 2 mois que la crise sanitaire inédite a conduit à bloquer le système
et que tu as dû prolonger ton mandat au pied levé dans des conditions difficiles, faites d'ordre et de contre-ordre. Comme toujours, tu as su répondre présent. Là aussi, tu mérites les plus sincères remerciements et félicitations. Voilà Jean-Victor, je te souhaite le meilleur pour la suite et de profiter un maximum de tes proches. Mon plus grand regret ce soir sera de ne pas pouvoir te serrer la main chaleureusement, mais nous pouvons t'applaudir en guise de sincères remerciements. Merci à toi. Ok. Bon ben, je vais vous laisser, hein, parce que donc vous avez quand même, si vous voulez finir avant la nuit, donc on va laisser la place à la doyenne d'âge, Marie-Claude. Hein, donc voilà. Moi je peux pas parce que je connais la suite un petit peu, alors donc. Hop. Merci et bonne suite. Hein. Merci à toi. Hop. Merci. Pas avoir obtenu la confiance des électeurs de Saint-Mizier en conduisant la liste d'un livre à Saint-Mizier, je vais vous demander de m'accorder votre confiance. Oui. Thank you.
Chenot, Fabrice. Fabrice Chenot. Chenot, Fabrice. Fabrice Chenot. Fabrice Chenot. 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 Fabrice Chenot. Fabrice Chenot. Chenot. Chenot Fabrice. Fabrice Chenot. Fabrice Chenot. Fabrice Chenot. Chenot Fabrice. 19. Nombre de suffrages déclarés nuls, il y en a 0. Déclaré nul. Nombre de suffrages exprimés, 19. La majorité absolue était à 10. Et M. Chenot a obtenu 19 voix. Je proclame M. Chenot maire et effet immédiat. Je vous remercie. Nous allons procéder à l'élection des adjoints. Donc, nous allons fixer dans un premier temps le nombre d'adjoints. Donc, le Code général des collectivités territoriales précise que la commune doit disposer au minimum d'un adjoint et d'un nombre maximum correspondant à 30% de l'effectif légal du conseil municipal, soit 5 adjoints pour la commune de Saint-Nizier. Je vous propose de fixer le nombre d'adjoints à 5, correspondant aux délégations suivantes. Un adjoint délégué aux bâtiments communaux, équipements sportifs et encadrement des agents du service technique des bâtiments. Un adjoint avec la délégation à la vie locale et associative, la location des salles communales, conseil municipal des enfants. Un troisième adjoint en charge de la communication et des affaires culturelles. Quatrième adjoint en charge des affaires scolaires et des services périscolaires, garderies et restaurants scolaires. Et enfin un cinquième adjoint en charge de la voirie, des réseaux divers, du cimetière, des aménagements communaux et de l'encadrement des agents du service technique, voirie et espaces verts. Je vous propose donc de passer au vote du nombre des adjoints, sauf si vous avez des questions particulières. Donc, des votes contre, abstention. Nous allons procéder à l'élection des adjoints. Donc, je vais vous présenter. Donc, l'élection des adjoints sur les communes de notre taille se fait par liste complète. Donc, je vais vous proposer une liste composée de 5 adjoints. Je les connais. Dans l'ordre, Fernand Dargaud, Marie-Christine Kelsen, Guillaume Descaves, Cécile Burdin et Béranger Prat. Donc, pour voter pour la liste que je vous présente, vous inscrirez mon nom sur le bulletin. Y a-t-il une deuxième liste d'adjoints qui souhaiterait être présentée ? Donc, nous allons procéder au vote avec la bannette. Déjà écrit, ont été détruits. Je les ai mis de côté. D'accord. Ah oui. Alors, pas mélanger ou alors. Alors, on remet. Donc, pour la liste, vous écrivez mon nom. Voilà.
Oui. On va pas se faire tous les noms. Non. Donc, zéro suffrage déclaré nul. Toujours la majorité de l'article 10. Donc, du suffrage exprimé 19. Et la liste conduite par Fabrice Chenot obtenue 19. Je vous remercie. Donc, les adjoints suivants dans l'ordre de rang sont donc Fernand Dargaud, Marie-Christine Kalsen, Guillaume Descaves, Cécile Burdin et Béranger Prat. Y a-t-il des observations ou réclamations ? Donc, nous allons clore la première partie du conseil municipal pour enchaîner sur la deuxième partie. Donc, je vous déclare la clôture de la première séance. Donc à 20h35. Oh. Alors attends. Ça se fait comme ça. Merci. Ça se fait comme ça. Tout le monde me voit. Nickel. C'est beau. Donc, je vais vous lire la feuille de proclamation qui sera annexée au procès-verbal de l'élection avec le nom et prénom des élus reclassés donc dans l'ordre des voix obtenues, commençant par le maire, les adjoints, suivi des candidats de la liste Bien Vivre à Saint-Nizier, suivi des candidats de la liste En Avant pour Saint-Nizier,
classé par, par âge. C'est ça, Sophie? Oui, c'est ça. Donc, M. Chenot Fabrice, M. Dargaud Fernand, Mme Calcène Marie-Christine, M. Descave Guillaume, Mme Burdin Cécile, M. Prat Béranger, Mme Trembouze Marie-Claude, M. Breton Bernard, Mme Portera Chantal, M. Galichon Alain, M. Pegon Christophe, Mme Jolie Nathalie, Mme Ponté Nelly, M. Frebzard Johan, Mme Béraud Elodie, Mme Guilin Karen, M. Bruet Thibault, M. Bournas Jean-Paul, Mme Labrosse Nadège. Je vais vous donner lecture de la charte de l'élu que vous avez eue avec la convocation. Les élus locaux sont les membres des conseils élus au suffrage universel pour administrer librement les collectivités territoriales dans les conditions prévues par la loi. Ils exercent leur mandat dans le respect des principes déontologiques consacrés par la présente charte de l'élu local. Petit 1. L'élu local exerce ses fonctions avec impartialité, diligence, dignité, probité et intégrité. Petit 2. Dans l'exercice de son mandat, l'élu local poursuit le seul intérêt général, à l'exclusion de tout intérêt qui lui soit personnel, directement ou indirectement, ou de tout autre intérêt particulier. Petit 3. L'élu local veille à prévenir ou à faire cesser immédiatement tout conflit d'intérêts. Lorsque ses intérêts personnels sont en cause dans les affaires soumises à l'organe délibérant dont il est membre, l'élu local s'engage à les faire connaître avant le débat et vote. Petit 4. L'élu local s'engage à ne pas utiliser les ressources et les moyens mis à sa disposition pour l'exercice de son mandat ou de ses fonctions à d'autres fins. Petit 5. Dans l'exercice de ses fonctions, l'élu local s'abstient de prendre des mesures lui accordant un avantage personnel ou professionnel futur après la cessation de son mandat et de ses fonctions. Petit 6. L'élu local participe avec assiduité aux réunions de l'organe délibérant et des instances au sein desquelles il a été désigné. Issu du suffrage universel, l'élu local est et reste responsable de ses actes pour la durée de son mandat devant l'ensemble des citoyens de la collectivité territoriale à qui il rend compte des actes et décisions pris dans le cadre de ses fonctions. Nous allons passer au point suivant, donc fixation du taux des indemnités de fonction du maire et des adjoints. Donc je vais vous expliquer, je vous l'avais déjà expliqué en réunion de préparation de liste. Donc les indemnités de fonction sont attribuées avec un taux qui majore l'indice brut majoré de la fonction publique. Ce taux a été revalorisé de 20% au 1er janvier 2020 suite à la loi engagement et proximité. Je vais vous proposer ce soir deux propositions. Donc la première proposition qui est celle qui est autorisée par la loi et la deuxième proposition que j'ai regardée qui correspond à ce que faisaient les municipalités précédentes avec un taux légèrement inférieur, sachant que j'ai choisi de fonctionner avec le nombre maximum d'adjoints. Donc la première proposition, s'agissant des indemnités du maire, le taux à voter, donc on vote un taux, hein. Donc le taux à voter est de 51,6%, correspondant à un montant brut en euros de 2006,93. La solution numéro 2 correspondra à un taux de 48% avec un montant brut en euros de 1866,91. S'agissant des adjoints au maire, la possibilité 1 correspond à 19,8% avec un montant brut de 770,10 €. La possibilité 2
un pourcentage de 17,40 pour un montant brut de 676,75. Donc voilà, je vous propose la deuxième solution, compte tenu que nous avons choisi de fonctionner avec le nombre maximum d'adjoints. Donc nous allons nous retirer, moi et les adjoints, et on vous laisse délibérer. Je redonne la parole à Marie-Claude pour procéder au vote. On se retire. Maximum 770,10 € et lui propose que ses adjoints touchent 676,75. Voilà. Et de là, donc, il lui demande si vous sauriez. Si vous vouliez voter pour la première, au taux 51% pour le maire ou au taux 48%. 51%, il peut vous l'écrire ou. Vous pouvez lever la main levée si vous êtes d'accord. La proposition, on prend la solution 2, et elle ne fait pas les mots. Oui, c'était plutôt la proposition 2. Le min et le max du maire. Voilà. Ah, il faut mettre le max du maire et les adjoints, la 1 ou la 2, parce qu'il a précisé là. Oui, en fait, il proposait en fait, lui la possibilité d'avoir. Oui, les deux. Tous les deux pareils. Qui veut la proposer? Qui veut voter? Voilà, donc à l'unanimité, vous êtes d'accord pour la proposition. C'est plus au sens. Il y a discuté. Nous avons voté pour la proposition de M. le maire. Merci. Point suivant, les délégations du conseil municipal au maire. Donc, vous avez reçu avec la convocation la liste des délégations qu'il est possible d'accorder au maire. Donc, je ne vais pas vous les reciter toutes. Il y en a 26. Oui. Donc, moi, je vais vous proposer de retenir un certain nombre de délégations. Alors, c'est des délégations qui m'autoriseront à prendre des décisions sans passer par le conseil municipal, sachant que si je le juge utile, je peux demander au conseil municipal de délibérer, même en ayant la délégation. Le but d'accorder ces délégations, c'est surtout de permettre le fonctionnement un peu plus fluide de la commune et d'éviter de convoquer le conseil municipal pour les moindres petites décisions qui concernent souvent des actes notariés en particulier et qui peuvent faire retarder un petit peu les choses. Donc je vais vous citer les délégations que je vous propose. Donc, il y a la délégation qui permet de prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l'exécution et le règlement des marchés et des accords cadres, ainsi que toute décision, c'est la quatrième, ainsi que toute décision concernant leurs avenants lorsque les crédits sont inscrits au budget. Donc, c'est une délégation qui permet de passer les marchés, passer les commandes, à partir du moment où le conseil municipal a voté les opérations au budget. La cinquième,
de décider de la conclusion et de la révision du louage de choses pour une durée n'excédant pas 12 ans. Donc ça, c'est tout ce qui concerne les locations. Donc ça peut être aussi bien les locations de salles que les locations d'appartements. La sixième, de passer les contrats d'assurance ainsi que d'accepter les indemnités de sinistre y afférentes. La septième, de créer les régies comptables nécessaires au fonctionnement des services municipaux. La huitième, de prononcer la délivrance et la reprise des concessions dans les cimetières. La neuvième, d'accepter les dons et legs qui ne sont ni grévés ni de conditions ni de charges. La dixième, de décider l'aliénation de gré à gré de biens mobiliers jusqu'à 4 600 euros. La quinzième, d'exercer au nom de la commune les droits de préemption définis par le Code de l'urbanisme, que la commune en soit titulaire ou délégataire. Voilà, c'est les seuls que je vous propose de me déléguer. Les autres, on peut très bien se permettre de passer des décisions au conseil municipal. Des questions ? Les délégations que vous donnez, après il y a une information qui est faite au conseil suivant. Oui, alors oui. À chaque ouverture de conseil municipal, il sera fait un rappel et la liste. Les délégations que j'aurai utilisées et en quoi elles ont été utilisées, quoi, à chaque ouverture de conseil municipal. Donc, pas d'autres questions ? Je vous propose de passer au vote. Les votes contre ? Abstention ? Pour ? On va passer à la constitution des commissions municipales. Donc pour les commissions municipales, donc normalement, le vote se fait à bulletin secret, comme on l'a fait pour les opérations précédentes. Considérant que le nombre de membres des commissions n'étant pas limité, et je n'ai personnellement pas d'objection à accueillir qui que ce soit dans quelques commissions, que l'intérêt des commissions est quand même d'avoir des gens qui soient motivés et intéressés dans les domaines auxquels ils souhaitent participer, je vous propose qu'on vote les commissions et leurs membres à main levée. Compte tenu de la crise sanitaire, ça me paraît préférable que d'essayer de manipuler les urnes et les enveloppes. Et en termes de délai, c'est peut-être plus judicieux. Des remarques ou des observations, objections sur le vote ? Donc, eh ben, on y va. Dans l'ordre. Donc, première commission, la commission bâtiment et équipement sportif, dont la vice-présidence sera assurée par Fernand Dargaud. Donc, je vous demanderai de vous manifester pour ceux qui sont intéressés à intégrer la commission, sachant que pour les membres de Bien Vivre à Saint-Nizier, j'avais déjà des prépositionnements. Voilà, donc, pour ceux qui seraient intéressés de... Donc, Joanne Fredzer, Nathalie Joly. Monsieur Breton, non ? Oui, Monsieur Breton. Et Alain aussi, non ? Oui, tu as levé la main, Alain, non ? Et Alain Galichon aussi. Levez la main bien haut. Jean-Paul Bournas aussi. Donc, j'ai 6 personnes. Béranger. 1, 2, 3. Ouais, c'est ça. 2, 3, 4, 5, 6. On est bon. Allez, ça marche. 6 personnes. 7 personnes. On les vote ou... Bah, alors après, est-ce que vous êtes oui, à ce moment-là, c'est normalement voté. Donc, à chaque commission, donc, chaque commission. Ce que vous demanderez pour voter, si vous êtes pour, voilà, les 6 membres volontaires. Vous êtes pour les 6 membres volontaires. Ah, mais vous n'êtes pas pour. Si, si.
Bah si, si vous êtes volontaire, c'est mieux. Ah oui, c'est ton chef. Alors, vous êtes pour ? Oui. Logique. Tout le monde est pour. Oui. Mais oui. On fera l'inverse, on fera les comptes la prochaine. Ouais. Commission suivante. Voirie, réseau et aménagement. La vice-présidence sera assurée par Béranger Prat. Volontaire. Levez bien haut. Hein. Levez bien, levez bien. Donc j'ai 1, 2, 3, 4 et 5 avec Béranger. C'est bon ? 5 personnes. D'accord ? J'ai deux fois la même personne. Oui. Oui, j'ai deux fois. Mmh. Bernard, non ? Ah non, Bernard, c'était bâtiment. Non, bah c'est ça, c'est un peu. Bon alors, ça, tout le monde est pour, c'est bon ? Pas des contre ? Pas de contre ? On va voter les contre, hein, ça sera plus simple. Y a-t-il des contre ? Ouais, ça sera plus facile. Des contre ? Des abstentions ? On va les recevoir après. Oui, vous recevrez. Bah, vous aurez le PV, tout, enfin, le compte rendu, et oui. Puis la liste des commissions sera diffusée à tout le monde. Commission suivante, donc commission communication. Donc la vice-présidente, donc c'est la commission communication, ça ne concerne pas le bulletin municipal. Donc là, ça concerne simplement la communication municipale, que ce soit le site internet de la mairie, le panneau lumineux qu'on a actuellement et tous les autres modes éventuels de communication de la commune, presse. Donc la vice-présidence sera assurée par Guillaume Descaves. Les volontaires. Comment ? Très bizarre. Oh, c'est bien haut, Nelly, qu'on le voit. Donc, je trouve 1, 2, 3, 4, 5, 6 personnes. Il y a 6 personnes. Vous pouvez enlever les droites, bien sûr. 1, 2, 3, 4, 5. Eh bien, 6 avec Guillaume. Des contre ? Abstention ? Commission vie locale et associative. Donc, qui sera, la vice-présidente sera sur Marie-Christine Kelsen. Si vous avez des questions sur la contenance et le contenu des commissions, vous n'hésitez pas. Hein. Des votes contre ? Abstention ? Commission affaires scolaires et périscolaires. La vice-présidence sera assurée par Cécile Burdin. Relevez bien haut. Hein. Non, je n'aime pas 7. Hein. 6. 1, 2, 3, 4, 5. Oh, d'accord, c'est bon. Les votes contre ? Les abstentions ? Commission, alors, c'est une commission que je comptais pas. Que je ne comptais pas remettre en place sur ce mandat-là, compte tenu qu'il ne va pas y avoir de travaux importants ou quoi que ce soit. Par contre, il y a quand même quelque chose d'important qui va se passer durant ce mandat, qui va être une obligation pour nous au 1er janvier 2026. C'est le transfert de compétences eau et assainissement à la communauté de communes. Donc, je vais maintenir l'existence de cette commission, la commission assainissement, qui sera surtout chargée de travailler sur ce dossier.
en lien bien sûr avec la communauté de communes. Donc la vice-présidence sera assurée par Béranger Pro. Volontaire. Laurent, Jean-Paul, Elodie. Vous pouvez bien haut. Oui, c'est Jean-Paul Bonnas. Oui, oui. Ouais. Donc je compte 1, 2, 3. On refera le tour à la fin. 5 personnes. Alors, les rejouer. Oui, c'est ça. Ça doit faire 5. Oui, c'est bon, ça fait 5. Ok, 5. Commission suivante. Proposition. Ah oui, pardon. Toujours pareil. Commission suivante, la commission d'appel d'offres. Alors, elle sera très peu utilisée, hein, puisque les montants des marchés publics concernés par la commission d'appel d'offres sont à des seuils élevés et que, a priori, on aura peut-être un projet concerné et encore pas sûr. Mais, sachant que tout ce qui est analyse des offres sur des marchés avec des montants moins importants, tels que la voirie ou les opérations de bâtiment, les appels d'offres existent, pas soumis à la commission. Par contre, ils seront étudiés en commission respective, soit bâtiment, soit voirie, soit assainissement. Enfin. C'est quoi le montant? Non, la commission d'appel d'offres. Non, mais pour passer en marché. Oui, mais la commission d'appel d'offres, oui. C'est au-dessus. C'est les marchés. Ah, bah si. Passer un montant, c'est haut, c'est 900 000 euros. La commission d'appel d'offres. Hein. Enfin, on pourra préciser si vous voulez. Mais c'est un montant élevé. Et oui, c'est la publicité à 40 000. Ah oui, la commission d'appel d'offres, elle est vraiment dédiée aux marchés publics qui sont soumis à un appel d'offres avec un seuil de montant qui est très haut. Pas de tête, je dirais peut-être une bêtise, mais il m'aurait semblé dire 900 000 euros. Moi. Le bois, il n'était pas soumis à l'appel d'offres. Non, pas en appel d'offres, on n'avait pas de commission. Non, on a passé en commission. Ouais. On vous le précisera quand même. Donc la vice-présidence sera assurée par Fernand Dargaud. Guillaume Descaves. Ah oui, mais, ben moi, oui, forcément. Moi, je suis bien. Peut-être bien haut. Alain. Alain Guichon. J'en ai 4. Bah oui. Bah oui, c'est bon. Il y avait Cécile. Oui. Il y avait Cécile éventuellement. Non. Non. Bah, c'est comme tu sais, surtout toi. Oui. Donc au total, j'ai 5 personnes. J'ai 5 personnes. Fernand Dargaud, Marie-Christine Kelsen, Guillaume Descaves, Cécile Bourdin et Alain Guérichon. Tout le monde est d'accord ? Oui. Commission suivante, conseil municipal des enfants. Donc cette commission n'existait pas auparavant, puisqu'il n'existait pas de conseil municipal des enfants. Donc c'était un de nos souhaits de le mettre en place. Donc pour ça, on va créer une commission. Donc la vice-présidence sera assurée par Marie-Christine Kelsen. Là, j'ai bien haut. Six. Un, deux, trois, quatre, cinq, six personnes. C'est ça. Pardon. Ouais. À votre position. Donc voilà pour les commissions municipales. Nous allons procéder au vote des membres du CCAS, du Centre communal d'action sociale. Excuse-moi, oui. Ces commissions-là, elles sont fixées pour 6 ans ou c'est. Non, non, si on peut, se non, pas, non, non, on peut revoter. Non, non, on peut revoter. Oui, oui. Mais oui, on peut revoter. On peut revoter des membres en cours de mandat. Ouais. Donc, on va passer au vote des membres du Centre communal d'action sociale.
donc en fixant leur nombre et en élisant leurs représentants. Donc pour le Centre communal d'action sociale, c'est un petit peu différent. C'est aussi un scrutin par liste complète. Donc pour simplifier un petit peu les choses, parce que c'est pareil, c'est intéressant quand même d'avoir des gens qui soient intéressés et motivés. Donc je vous propose qu'on fasse la même chose, sachant que j'avais des candidats prépositionnés et que j'ai appelé Jean-Paul Bournas en préambule à la séance du conseil municipal pour lui demander s'il était intéressé pour intégrer. Donc il m'a répondu par l'affirmative. Donc Chantal Portera, qui était éventuellement intéressée, mais entre parenthèses, m'a confirmé qu'elle voulait bien laisser la place à M. Bournas. Donc je vais vous proposer une liste de 7 membres qui correspond au nombre de membres extérieurs qui souhaitent intégrer le CCRS. Donc la liste sera composée de Fernand Dargaud, Marie-Christine Calsen, Marie-Claude Trembouze, Bernard Breton, Nelly Ponté, Johan Frebzer et Jean-Paul Bournas. Dégagez votre contre. Abstention. Je vous remercie. Donc ensuite, nous allons procéder à la constitution de 3 comités consultatifs. Ah non, il faut laisser ouvrir. Pas fermé, hein. Je crois qu'il faut laisser ouvrir. Ah, pardon. Ah, vous semblez, je vous laisse là entrebâiller. Donc, la différence des comités consultatifs aux commissions, déjà, c'est que, au lieu de désigner une vice-présidente, je vais désigner un président, et que dans ces comités seront associés des membres extérieurs. Donc, le premier concerne le bulletin municipal. Donc, la présidence sera assurée par Guillaume Descaves. Donc, pareil, hein, c'est sur la base du volontariat pour le... Oui, tu étais. 1, 2, 3. Alors, par rapport, oui, alors juste une petite précision. Parce que enfin, c'est la première fois qu'on a deux listes à s'aniser et que du coup on a des membres d'une autre liste. Donc dans le bulletin municipal, quoi qu'il arrive, il y aura une page réservée à l'expression des élus de En Avant Sanisier. Donc, ouais, ça me paraît très intéressant qu'il y ait un de vous deux qui soit membre. Oui, donc vous pouvez rajouter Jean-Paul. Merci. Donc ensuite, un comité qui n'existait pas auparavant et qui me semblait nécessaire de mettre en place pour créer des choses sur la commune dans le domaine des affaires culturelles. Donc ça sera un comité affaires culturelles, présidence toujours assurée par Guillaume Descaves. Donc une avec un. Je crois. Lève un peu la main. Laquelle se casse un doigt. Nelly, elle n'est pas bien grande là-bas. Donc je compte 6 personnes avec Guillaume. Hein. Et enfin, un comité qui n'était pas prévu ni dans notre programme, ni au départ. C'est quelque chose qu'on avait évoqué, mais plutôt sur la fin du mandat. Donc, suite à la crise sanitaire, on s'est aperçu que les besoins de consommation des habitants, notamment, s'étaient penchés vers des producteurs plus locaux, avec un mode de consommation plutôt tourné vers tout ce qui est marché et vente à la ferme. Donc, on propose de mettre en place un marché municipal, et pour ça, on va créer un comité qui sera chargé de sa mise en place très rapide, je le souhaite. Donc, ça sera un comité qui sera chargé de se réunir très rapidement. Donc, la présidence sera assurée par Marie-Christine Calsen.
Donc, oui, là, il y a déjà plus de monde. Là. Oui. Jean-Paul Bornin, c'est en plus. Nelly, qui n'est pas bien grande, toujours. Hein. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 personnes. C'est ça. Avec, oui, tout le monde est d'accord. C'est Nadège, j'en prie, en plus. Ah, il y a Nadège à brosse en plus. Oui, je remets que Nadège. Eh ben, il m'en manque un alors. Oui, ouais, t'as levé le doigt, Nadège. Ben, je recycle les noix. Il n'y avait pas Johan aussi qui était intéressé? Si. Pas non. On va refaire. On va refaire. Il n'était pas là la dernière. Non, mais il n'était pas là, mais il était intéressé. Ah, oui, tu étais intéressé. Hein. Ouais. Non, mais bon, peu importe hein, maintenant, on peut. Hein. Comme tu. C'est bon? Donc, on est combien? Je vais redire. Marie-Christine Kalsen, Guillaume Descaves, Nelly Ponté, Nathalie Joly, Thibaut Brouet, Bernard Breton, Béranger Prat, Christophe Pebon, Jean-Paul Bournas et Marie-Claude Tremblay. Et Nadège. Oh. Nadège. Elle n'est pas grande, mais. Voilà, c'est bon, j'ai tout le monde. Ça fait 11. J'ai la permission sur le. Donc, la commission d'appel d'offres, elle intervient obligatoirement dans les procédures de marché public formalisées pour un montant de 5 350 000 pour les marchés de travaux et de 214 000 pour les marchés de fourniture. On s'en servira, donc elle ne se réunira jamais. Elle a le mérite d'exister. Et c'est obligatoire de avoir de la paix. Donc, on va passer à la désignation des délégués de la commune dans les organismes extérieurs, donc lesquels on connaît aujourd'hui le nombre de membres nécessaires. Donc, suite à l'installation du conseil communautaire, il y aura besoin de membres des conseils municipaux pour participer aux différentes commissions et comités, voire groupes de travail de la communauté de communes. Mais aujourd'hui, on ne connaît pas. Donc là, on va désigner dans les organismes dans lesquels on sait qui... combien on doit désigner de membres. Donc, on va commencer par le CIEL, le syndicat intercommunal d'énergie de la Loire. Donc, si vous avez des questions sur ce que fait l'organisme ou en quoi ça consiste, vous n'hésitez pas. Hein. Donc, il nous faut un délégué titulaire et un... Pardon ? C'est donc le CIEL donc qui gère tout ce qui est tout ce qui est électricité et énergie plus généralement aussi on a avec eux un groupement de commandes électricité gaz. Ils nous gèrent l'éclairage public, ils nous font les études tous les ans sur les consommations de nos bâtiments en énergie électrique, chauffage. Ils font des propositions d'amélioration. C'est l'énergie en général, quoi. Ouais. Ils sont porteurs sur tout ce qui est projet photovoltaïque quand on a installé sur l'école. C'est eux qui portent le projet quand on fait des installations photovoltaïques. C'est eux qui portent le projet et on refinance. La commune refinance le syndicat. Quoi. C'est ça, ouais. Tout ce qui est éclairage. Ouais. Donc il faut un délégué titulaire, un délégué suppléant. Sachant que généralement, les deux sont invités aux réunions. Donc, je me proposais de me mettre en délégué titulaire, sachant que les réunions, généralement, ne sont pas à côté. Elles sont souvent sur Saint-Étienne ou Montbrison. Et Fernand Dargaud, ouais, suppléant. Oui, ouais, puis c'est surtout... Ouais.
Ça concerne aussi les bâtiments. Quoi. Des votes contre, des objections, des... Les délégués au CIADEP, le syndicat intercommunal d'adduction d'eau de Pouilly-sous-Charlieu. Donc là, il nous faut deux délégués titulaires, deux délégués suppléants. Donc pareil, c'est un syndicat à enjeu assez important. Donc je vais proposer d'être un des deux titulaires. Et oui, Christophe Pegon souhaitait être titulaire aussi. Et en suppléant, j'avais éventuellement Guillaume Descaves et Béranger Prat. Alors, il y a eu d'autres personnes éventuellement intéressées. Des votes contre ? Abstention. Les délégués au syndicat intercommunal de gestion du gymnase de la Bouverie. Alors, c'est... Bon, on va expliquer ce que c'est. Donc, c'est un syndicat qui gère le gymnase de la Bouverie à Charlieu. Alors, c'est un peu particulier comme fonctionnement, mais ça existe toujours comme ça. Donc, c'est un syndicat propre qui gère ce gymnase. Donc, les communes, c'est un gymnase qui accueille surtout les élèves au collège. Donc, il n'y a pas beaucoup de réunions par an, pas de gros enjeux. Voilà. Donc, Fernand Dargaud était déjà titulaire. Donc là, il faut deux titulaires, deux suppléants. Deux titulaires. C'est en fonction un petit peu du nombre d'élèves. Hein. Donc, il y avait Fernand. Ah oui, il y avait Guillaume, je crois. Hein. J'avais pas de suppléant. Donc, eh ben, mettez-moi suppléant, éventuellement, s'il n'y a pas de volontaire. Et puis moi, deuxième. Ah, il n'y a pas beaucoup, pas beaucoup d'enjeux. Hein. Pardon. Ah oui, il y a des contres. Abstention. Donc la commune de Saint-Nizier adhère au Comité national d'action sociale pour le personnel des collectivités territoriales, le CNAS. Donc c'est pareil, il faut qu'on désigne combien, alors, Sophie ? Un représentant des élus et un... Ah oui, un représentant des élus et un représentant des agents de la commune. Donc Marie-Claude Trembousse souhaitait. Des représentants. Représentant des agents, Sophie, qui est la principale, voilà, qui fait le relais auprès des autres agents. Oui, c'est ça. Des votes contre, des abstentions. Des délégués de la commune au conseil d'école de l'école publique communale. Donc je serai présent au conseil d'école. Et derrière, on pensait mettre deux représentants. On peut aller à trois. Donc, on avait deux personnes intéressées. On avait Cécile Burdin et Karine Guillain. Si parmi vous, il y a quelqu'un intéressé, on peut aller à trois. Hein. Non ? Oui, Nadège ? Oui. Des votes contre ? L'abstention ? Et après, il nous faut un délégué pour siéger à l'organe délibérant sur le budget des classes sous contrat de l'école privée. Donc là, on avait Chantal qui était intéressée, de par son expérience. Ça paraît intéressant que Chantal puisse représenter. Surtout, oui, c'est ça. Des votes contre ? Les délégués au conseil d'administration de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes Saint-Louis à Saint-Nizier sous Charlieu. Donc je serai président de droit et d'honneur. Donc on avait Élodie Béraud en tant que médecin et Nelly Ponté. Travaille aussi dans le domaine médical, ça me paraissait intéressant. Donc là, c'est pour participer essentiellement au conseil d'administration. Des votes contre ?
Il nous faut un délégué de la commune à l'association locale Arcanson. Donc, il y avait éventuellement Guillaume. Oui. Après, c'est pareil, c'est plutôt un rôle de relais entre l'association et la commune. Oui. Ça paraît intéressant que ce soit Guillaume, parce qu'en tant que président des affaires culturelles, derrière, ça peut y avoir un lien qui soit pour associer Arcanson un peu plus à la commune que ce que c'était avant. Et enfin, la désignation d'un correspondant défense. Je vous laisse présenter, Sophie, de façon on a assez résumé. Non, on va résumer. Donc, le correspondant de défense, eh ben, c'est le représentant de la défense sur la commune, par exemple en matière de recensement militaire pour les jeunes. Parfois, il y a des réunions pour pouvoir retransmettre l'information aux jeunes. C'est en matière d'activité de défense par rapport aux attentats, il peut y avoir des informations qui sont données et qui peuvent être à retransmettre au conseil municipal. Ça peut être aussi le rôle, c'est en matière de devoir de mémoire et de reconnaissance et de solidarité, c'est-à-dire il peut y avoir des préparations de cérémonies. Il y a toujours la cérémonie du 8 mai, du 11 novembre, mais il peut y avoir des 75 ans, des centenaires, et à ce moment-là, on fait appel. Pour correspondant en défense, pour prendre contact avec les associations. Dans ce rôle-là, mais ce n'est pas un rôle très, très important non plus. Hein. Mais il reçoit régulièrement du courrier du ministère de la Défense. Hein. Là, peut-être Jean-Paul, ça me paraît. Ah merde. On va peut-être mettre Jean-Paul. On va mettre Jean-Paul Bournasse. Pas si vous y voyez pas de. Hein, on en met un. Hein. On en met un. C'est bon. Vous avez voté? C'est votre contre? Je sais pas. Non, mais après. Oui. Après Jean-Paul, par son expérience aussi, voilà, il travaille un petit peu dans le domaine militaire, quoi. Oui. Donc voilà, c'était. Il y a pas. Bah, c'est vrai que j'avais pas beaucoup de volontaires sur ce poste-là non plus. Hein. Bah, faut que ça intéresse, quoi, pour participer. Vous voulez voter, du coup? Non, c'est bon. Eh bien, on a fait le tour. Donc, je vous remercie tous. J'espère qu'on passera un mandat qui se passera dans la sérénité. Je souhaite que chacun s'engage à son niveau dans les commissions dans lesquelles il s'est engagé. Donc, on refera appel à vous pour d'autres commissions extra-communales. Et je vous invite à vous exprimer régulièrement. De mon côté, je fais en sorte que tous les comptes rendus, que ce soit de bureau municipal, de commission, voire de commission intercommunale et des organismes extérieurs, vous soient diffusés à tous. À chaque conseil municipal, on refera en ouverture de conseil un point sur les commissions. On les énumérera chacune. Et vous pourrez faire part à ce moment-là des observations que vous aurez eues sur les différents comptes rendus de commission. Je souhaite travailler dans la transparence et la confiance avec vous. Je vous remercie. Merci. Merci. Merci, monsieur le maire. Oui, oui, oui. Alors, on fera. Voilà. Donc là, mercredi, je réunirai le bureau municipal, donc les adjoints. Donc je vais leur expliquer comment je souhaite qu'on fonctionne. Derrière, je souhaite que rapidement, oui, on procède à une visite des bâtiments communaux, en fonction de l'évolution de la crise sanitaire, qu'on voit comment on peut faire pour organiser une rencontre du conseil municipal avec le personnel. Je souhaiterais que ce soit assez rapide. Donc oui, oui, il y aura tout ça de prévu. Et après, si vous avez des demandes, n'hésitez pas.
vous faites passer soit un mail directement, soit un mail par la mairie. Voilà. Mais effectivement, oui, la visite, ça me paraît important que les conseillers municipaux soient au courant et connaissent le patrimoine communal et connaissent aussi le personnel qui nous arrive de côtoyer régulièrement et que tout le monde ne connaît pas tout le monde, bien sûr. Et quand une commission se réunit, c'est à l'initiative Ça sera, donc moi, je suis président de toutes les commissions municipales, donc je n'assisterai pas à toutes les commissions. Donc ça sera à l'initiative des vice-présidents, en fonction des différents dossiers qui sont à traiter. Donc il y a des commissions qui seront amenées à se réunir plus régulièrement que d'autres, en fonction des dossiers et des points à traiter. Quoi. Alors bien sûr, les premières que je vais demander à se réunir, ça va être le comité de mise en place du marché. Mon objectif, c'était de le mettre en place avant les vacances scolaires, même si c'est à minima, pour que les gens puissent prendre l'habitude, notamment les parents d'élèves. Ça serait un marché qui se déroulerait, je peux vous le dire, hein, mais j'avais travaillé un petit peu déjà, un petit peu en avant, pour essayer de gagner du temps. Ça se déroulerait plutôt le vendredi soir, de 16h à 19h, 20h, je ne sais pas, ça sera à définir dans le règlement. Mais je souhaiterais vraiment qu'on puisse le mettre en place, même si c'est à minima, qu'on puisse le mettre en place avant les vacances scolaires. Donc, je vais demander au comité qui se réunisse assez rapidement pour pouvoir essayer de finaliser un règlement qui soit fait assez rapidement, mais qui soit fait assez bien aussi pour qu'on ne soit pas embêté derrière. Donc voilà, il va y avoir un petit peu de travail au départ, sachant qu'on vient de traverser une crise qui a arrêté les affaires de la commune quasiment. À part gérer la crise sanitaire, on n'a pas fait grand-chose d'autre, ça nous a déjà bien occupé. Surtout Sophie, que je remercie beaucoup parce qu'elle a vécu une situation quand même pas facile, avec des directives souvent pas claires. On a travaillé un petit peu dans l'urgence. Ça s'est passé en collaboration avec Jean-Victor, ça s'est très bien passé. J'étais associé à toutes les prises de décision. Et Sophie a géré ça quand même assez bien. Donc on a quand même perdu deux mois, on n'a pas voté le budget. Ça a un impact assez important, notamment sur les travaux de voirie. Donc la commission voirie va devoir se réunir très rapidement pour au moins lancer le programme voirie. Parce que si on le lance après l'été, il y a des choses qu'on ne pourra pas réaliser compte tenu des impératifs météo. Donc deux mois et demi, ça ne se rattrape pas comme ça. Ça aura des conséquences sur le début du mandat et certainement sur la suite, parce qu'il ne faut pas se leurrer, il y a eu la crise sanitaire, derrière on aura une crise économique, il faut en avoir conscience. Les financements extérieurs vont certainement se réduire, nos capacités de financement seront donc moindres que ce qu'on imaginait au départ, il faudra qu'on s'adapte. Voilà, je peux lever la séance et je vous remercie tous encore une fois. La prochaine réunion, vous pouvez peut-être le noter en pointillé, ça serait a priori le 16 juin, ça sera le gros point, ça sera le vote du budget. C'est un mardi, non ? C'est un mardi. Un mardi. Alors, on vous confirmera ça. Hein. Et en tout cas, n'hésitez pas à la moindre question sur le fonctionnement de la commune, si vous avez des doutes. À 20h. Oui. Vous n'hésitez pas à vous manifester, soit auprès de moi, soit auprès du secrétariat de mairie. Et quand il y a des convocations, vous serez convoqué. Sophie fait ça. Sophie fera des convocations par mail. Oui. En général, c'est comme ça que ça se passe. L'adjoint passe par Sophie pour convoquer.